Bonjour Victoria. Bonjour Thierry. Et comment ça va aujourd'hui? Bah, comme hier, en pleine forme. On est en pleine forme, on est dans un autre décor, en tout cas pour ma part, et on est donc, vu qu'on est en pleine forme, on est en live, voilà, comme tous les jours. Puis c'est le dernier jour de la semaine aujourd'hui, hein, parce qu'effectivement, demain c'est férié, c'est le week-end, super! Les Génial, les vacances! vacances, enfin, des grosses vraies vacances pour une fois qu'il fait beau et qu'on a des vacances. Alors c'est pas vacances pour tout le monde puisqu'effectivement on a un invité hein, comme chaque jour on va le faire bosser et puis effectivement ben lui faire parler de l'actu des conditions de travail j'en passe et des meilleurs. Mais pour cela Victoria je te passe la parole pour nous présenter notre invité du jour, le dernier live de la semaine, un live d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur Comin Mag et sur toutes les bonnes plateformes. N'hésitez pas à les partager, ça nous ferait plaisir. Je vois déjà des cœurs et des likes. Vous avez aussi le droit d'interagir durant ce live en posant des questions. Allez, c'est parti, découvrons qui est cet invité. Alors aujourd'hui, notre invité est Julien Depreux, un directeur de création indépendant. C'est un homme qui a connu tous les statuts, donc qui était indépendant, qui a créé une agence et qui est redevenu indépendant. Et je pense que c'était important aujourd'hui de donner, on a donné la parole à deux patrons d'agence qui ont parlé de PME et de l'entrepreneuriat en agence. Et là, avec Julien, je dois avouer, Julien m'a envoyé un petit mail en me disant, écoute, j'aurais envie de parler de ça et je trouvais que c'était une excellente idée. Julien, je sais pas où tu es, tu nous fais un de ces bruits de fond que je te raconte pas. Incroyable, ah ouais, parce que je suis en mouvement, je n'arrive pas à rester en Oh, place. mais Julien, t'es à touche à tout. Donc, explique-nous un peu quelle est la situation aujourd'hui des indépendants. Alors, hier, on attendait des informations, des nouvelles du Conseil fédéral, on n'en a toujours pas. Donc, pour l'instant, le statut d'indépendant est quelque chose de totalement nébuleux. Qu'est-ce que tu en penses? Déjà, je suis hyper content de cette interview jeudi, parce que c'est le dernier de la semaine, et puis il y a le week-end, enfin le week-end, si on reste des week-ends pour l'instant. Mais c'est très bien, merci de m'avoir invité. Pour ce qui est des indépendants, mon Dieu, quand tu dis nébuleux, oui, bah, en fait, je pense de base, déjà, c'est un statut qui est un peu spécial, en fait, en Suisse, parce que les indépendants, il y en a dans tous les domaines, mais ce qu'il y a on dirait, je pense qu'il y a qu'on a tous en commun, c'est que on travaille chacun de notre côté, on paye nos cotisations, etc. Et puis en ce moment, ben, en fait, ce qu'on remarque, c'est que ben, les aides, si on en a, ce sera bien. Moi, je me dis que je ne suis pas trop dessus, mais le chômage, les choses comme ça, c'est des choses que les enfants ne connaissent pas. Donc en fait, c'est pas très très évident, je pense, pour tout le monde aujourd'hui. Et puis, je pense que c'est un appel aujourd'hui à la démerde. Un peu, chacun essaie de s'en sortir comme il peut. Quel que soit le domaine, et puis je pense que ça donnera lieu à de nouvelles idées, à de nouvelles propositions, j'espère. Olivier Girard, l'autre jour, disait que finalement, dans le monde de la pub, peut-être la place des indépendants aujourd'hui, dans ce contexte, hein, était la moins pire, étant donné que finalement, bah, t'as pas les charges ni salariales, ni d'un loyer, et qu'on peut plus facilement se retourner. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai entendu dans ta vie d'Olivier que tu trouvais que les choses sont bien. Les indépendants, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure situation aujourd'hui parce que, alors oui, alors je vais prendre dans l'ordre, en fait, les charges, oui, il y en a moins évidemment que dans une agence. Il n'y a pas de masse salariale, donc forcément de base, ben, on a moins de choses à payer chaque mois. Après les loyers, bon, ben, moi, typiquement, dans mon cas précis, j'ai un petit loyer, donc c'est pas énorme, mais j'ai un loyer d'atelier quand même à payer chaque mois. Et puis, en fait, tu vois la différence la grosse différence, en fait, d'être DA ou rédac ou travailler dans une agence, c'est qu'à la fin du mois, tu as ton salaire, tu sais que telle date sur ton compte en banque, tu as ton salaire, et puis, ben, quand tu es indépendant, c'est à toi de gérer ça. Donc, en fait, si tu as du bol, tu as un peu de trésorerie, donc tu as un peu de fric de côté, puis tu te dis, bon, bah, t'as quelques mois de marge. Et puis, si tu commences en tant qu'indépendant, bah, tu pars. Alors, en général, hein, je dis, avec pas grand-chose. Puis c'est là que ça devient un peu compliqué. Moi, je pense surtout maintenant aux indépendants qui viennent de commencer ou qui sont indépendants depuis pas très longtemps, puis qu'il y a ça qui arrive. Je pense que pour certains, ça va être un petit peu compliqué. L'indépendant se retrouve dans l'écosystème publicitaire, il se retrouve un peu à la, à,
je veux dire, aujourd'hui, celui qui est graphiste ou disons, enfin, peu importe son poste dans une agence, il a encore une chance de garder encore son job s'il y a des mandats. Le graphiste, par rapport à l'agence de pub, on va le chercher souvent en extra, ponctuellement. Donc là, on va faire moins d'écart, on va essayer de donner du boulot à ceux qu'on a en interne, non? Donc l'indépendant, il va être encore plus menacé. Écoute, ouais, pour ce qui est des indépendants, on s'appelle freelance, on va dire pour les agences. Forcément, en tout cas, j'espère pour les agences qu'ils vont privilégier leurs employés plutôt que de faire appel à des externes, parce que ça limitera peut-être les licenciements, en tout cas, je l'espère. Après, pour les indépendants qui ont des clients en direct, comme il y a plusieurs domaines, tu vois, moi, je connais pas mal de gens qui font du graphisme ou de la créa pour du culturel, par exemple. Mm-hmm. Et puis là, ils se sont retrouvés quand même pas mal dans l'embarras, parce qu'en fait, pas mal d'événements ont été annulés, beaucoup de communications avaient été créées en amont, mais les événements ont été annulés, forcément, ça se ressent financièrement. J'imagine très bien qu'il y a des assos ou des festivals, des choses comme ça, qui n'ont pas pu payer leur communication, vu que l'argent, après, allait rentrer avec ces événements. Bon, voilà. En fait, je pense que dans chaque domaine, indépendant, que ce soit la création, la pub, le graphisme, l'illustration ou autre, aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment essayer de se remettre en question, chacun, sur sa capacité à être créatif. Et peut-être que ça, moi, je l'espère, en tout cas, donner l'opportunité à plein de gens de se découvrir des talents et puis d'essayer de se former, soit d'être curieux, soit de voir des choses, soit de, je sais pas, de dire des tiens, etc. Mais profiter, en fait, de cette période de répit qu'on a pour essayer d'expérimenter des choses et pour se réinventer un petit peu créativement. Parce que je pense que dans notre région, on arrive, à mon avis, je pense qu'Olivier, il disait ça, c'est justement autre chose. On fait de moins en moins notre boulot, j'imagine, de publicitaire, créatif, parce que, tu vois, les demandes des clients sont de plus en plus précises, de plus en plus courtes, de plus en plus de sociétés ont des services comme à l'interne, etc. Donc, je me dis, est-ce que ces petites périodes de répit pourraient pas profiter, en fait, à la créativité locale pour essayer de se concerter, trouver des nouvelles idées, puis de se réinventer, en fait, pour la suite? Est-ce que c'est la crise qui va accentuer une évidence, ou c'est une évidence par elle-même que nos métiers doivent se réinventer? On parlait hors caméra de pourquoi pas aller faire les vendanges ou ramasser des asperges. Merci les conseils du Conseil fédéral. Mais plus sérieusement, par rapport à ton parcours, moi qui me parle, parce que t'as connu plein d'étapes que moi aussi j'ai connues, est-ce que ça, c'est une suite normale, c'est une suite logique de ces métiers? Puisque, bah oui, nos clients sont de plus en plus précis et viennent avec des demandes de plus en plus cadrées. Je voulais simplement savoir si c'est quelque chose qui est une suite logique ou si c'est accentué par la crise. Tu parles d'un temps de répit ou des choses comme ça. Voilà, ton sentiment par rapport à ça. Non, mais en fait, je ne pense pas que ce soit la crise, entre guillemets, la crise qui provoque ça. Je pense qu'il y a eu, depuis que je fais ce boulot, depuis une quinzaine d'années, depuis le moment où je commençais à travailler, à faire mes armes chez Sachi, Carreau, jusqu'à aujourd'hui, moi, j'ai quand même vu que ce boulot, il a quand même vachement évolué, vachement changé. Je trouve qu'il fait moins rêver aussi, honnêtement. Moi, je rêve moins quand je pense publicité, je rêve moins qu'avant. Parce que je trouve que c'est très... ça devient difficile. Ça devient difficile d'être créatif parce que, en fait, tout le monde a un peu des outils aujourd'hui, tout le monde est un peu créatif en vrai. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais je pense qu'il faut aussi faire confiance aux gens qu'on mandate. Et puis, je pense que ça manque un peu, pas pour tout le monde, évidemment, parce que moi, j'ai des clients aujourd'hui encore qui me font confiance, avec qui ça marche très, très bien, avec qui on discute, avec qui on échange, etc. Mais je trouve que quand je regarde le paysage général, en tout cas dans notre pays, parce que les autres pays, moi, je les vois de loin, mais après, ça fait toujours fantasmer les autres pays, parce qu'on se dit, ah, ben, eux, ils font des trucs, les États-Unis, c'est génial, l'Angleterre aussi, etc. Mais quand je regarde la Suisse, par exemple, je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire de plus, en fait, pour essayer de remonter un peu le niveau, d'essayer de,
de créer des collaborations, je sais pas, en fait. J'ai pas une idée précise. Mais est-ce que tu crois pas que, si tu veux, cette mort du petit cheval qui est très lente, hein, elle remonte à, déjà aux années 90 quand le média est sorti des agences de pub? Parce que l'histoire de l'agence de pub, c'est que la création n'a jamais été payée pour la création. C'est un peu le même problème qu'à la presse, si tu veux. On n'a pas payé ce qui avait de la valeur. On a payé pour autre chose. On payait pour l'achat d'espace. Quand l'achat d'espace est parti, les agences ont dû inventer le prix de la création. Ça a toujours été un malentendu avec les annonceurs qui, dans le fond, ont toujours l'impression de se faire avoir. Parce que qu'est-ce qu'une création, tu vois? On ne pouvait pas quantifier à l'époque parce qu'il n'y avait pas d'outils. Donc, toujours une méfiance. Est-ce que c'est le produit qui faisait vendre ou est-ce que c'est la pub qui faisait vendre le produit? Donc, ça a toujours été un peu une nébuleuse. Le digital est arrivé là-dessus en disant, mais attendez, on va vous amener des outils. Tu cliques, on voit, machin, c'est clair. Donc, en disant, mais finalement, on s'en fout du message. Si tu veux du bleu, si les gens cliquent sur du bleu, on va mettre du bleu. S'ils cliquent quand il y a une femme, on met une femme. Tu vois ce que je veux dire? Et petit à petit, les publicitaires se sont trouvés dans ce monde où, parce qu'ils ne pouvaient pas quantifier réellement leur travail, eh bien, si tu veux, là, c'est un peu la revanche où on est passé de responsable de pub dans les entreprises qui ont disparu à responsable marketing digital, qui eux s'en fichent. Ce qu'ils veulent, c'est les chiffres. Et donc, la création, comment tu veux vendre de la création à des gens? C'est comme si tu vendais de la création à des ingénieurs. Ils en ont, mais aucune idée. Et le malentendu, il est de plus en plus fort. Est-ce que t'es d'accord avec ce constat? Je n'irai pas aussi fort. Bon, ça dépend à qui tu t'adresses, ça dépend à qui tu travailles, je dirais, en fait. Parce que tout va dépendre de ton client, de l'affinité que tu as avec lui, de la discussion, de la confiance. L'affinité, moi j'ai beaucoup toujours travaillé avec de l'instinct, en fait. Mais, tu vois, quand j'étais avec David de chez Cavalcade, en fait, chaque fois qu'on faisait des pitchs ou qu'on préparait des choses, c'était très instinctif comme ça qu'on travaillait. C'est ça que j'aime, en fait, dans ce boulot. Et moi, dès que ça devient trop, tu vois, comme tu l'as dit justement, on met du bleu, moi je me distancie de ça parce qu'en fait, j'ai pas passé 15 ans de ma vie à faire le boulot pour qu'on me dise aujourd'hui, tu mets du bleu parce que ça va plus vendre. Parce qu'en fait, je me dis, mais non. Mais aujourd'hui, les interlocuteurs, à part dans le monde de la culture, et même eux sont en train d'arriver sur les datas, tu as face à toi des gens qui pensent comme ça. Ouais, mais en fait, je pense qu'après, tous ces outils qu'on a aujourd'hui ne sont pas forcément de mauvaises choses parce que ça permet de quantifier et puis aussi de casser un peu un bullshit général sur le bill de tes campagnes, de casser un peu ce truc, cette tête d'image qu'on a, la publicité, de dire, bah, les mecs sont même pas les fouilles, ils ont les pieds sur la table, et puis ils fument des clopes, et puis tout d'un coup, ils font une campagne, ce qui est cool, hein. Franchement, moi, c'est pour ça que j'ai fait le boulot. Hein. On est rassuré. Plein de rappeurs, oui, je te vois bien. On est rassuré. D'ailleurs, quand on était attaché, qu'on se fait des clopes dans la rue avec Jean-Mi, on rigolait. Hein. Non, mais blague à part, non, moi, ce boulot, j'ai commencé parce que ça me faisait rêver, parce que c'est créatif. Moi, j'adore les idées. Après, aujourd'hui, on a des outils qui sont plus précis, qui permettent de quantifier. Je trouve que c'est une bonne chose. Il faut s'adapter à ce genre de choses, tout simplement. Mais je répète encore une fois, je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est d'essayer de choisir les gens avec qui tu peux bosser, si tu peux. Et puis de créer des relations avec ces gens. C'est comme disait Olivier l'autre jour, le but que lui fait, moi je suis pas dans la même situation que je suis indépendant, mais les gens avec qui je travaille, avec qui ça se passe bien, ben j'espère que je travaillerai encore avec eux demain, parce que c'est que comme ça, en fait, au final, on arrive à créer un produit de qualité, et puis qui fera, entre guillemets, vendre, parce que moi je travaille pas aujourd'hui pour des produits à vendre, vraiment. En plus, mon intérêt à moi fait que je m'oriente de plus en plus dans des causes, dans des campagnes à but social ou humain, c'est une envie que j'ai, et puis peut-être parce que je me fais un peu vieux. Mais, non, parce que c'est aussi un trend. Si on analyse un petit peu ce qui se passe, le revenir à l'humain, revenir à quelque chose qui a un sens, je pense qu'après une expérience aussi traumatisante que celle que nous vivons, c'est peut-être quelque chose qui va s'imposer, tu crois pas? Moi, secrètement, j'espère, en fait. J'espère que
que la pub, la com, le graphisme, enfin tous les acteurs de la création locale vont, je l'espère, aider au développement de cette direction. Comme on en a discuté par rapport à la tout de suite, tu vois. Faut que ça aille super vite, faut que tu me fasses ça pour demain, il faut que j'en produise tout de suite, t'achètes quelque chose, tu l'as le lendemain dans ta boîte aux lettres. Il y a un problème d'accélération qui nous a pété la gueule, mais ou pas encore en fait, on ne peut pas encore péter la gueule, mais moi je pense ce qui nous arrive maintenant un peu comme un signal. J'écoute un peu mes instincts, puis j'essaie de me dire en fait l'être humain est arrivé à un point, en fait tout va beaucoup trop vite, c'est pas possible. Il faut qu'on arrive à redescendre un petit peu puis à mettre à profit nos aptitudes créatives pour orienter les gens. Et c'est que les gens qui font de la communication qui vont pouvoir aider à faire ça. Parce que, comment dire, si on met à profit notre talent de communicateur, de pouvoir aider les gens à essayer de consommer différemment, moins vite, peut-être plus localement ou un peu plus éthiquement, peut-être que là, je pense qu'il y a un rôle hyper primordial pour les communicants à jouer dans les années qui vont venir, et j'espère en faire partie. J'espère que je vais faire partie de ça, en vrai. Il y avait cette fameuse phrase hein, qu'on nous sert en entretien, c'est « Est-ce que vous avez une vision où est-ce que vous voyez dans 5 ans ?» Alors, on va dire que ça va beaucoup plus vite maintenant. Où est-ce que tu te vois dans moins d'une année avec justement cette réinvention de nos métiers ? Pour ton travail de tous les jours, par exemple, pour toi, qu'est-ce que concrètement tu vas te retrouver à faire ? Pour être honnête, je sais pas trop parce que moi, je suis en train maintenant de me poser la question par rapport à mon travail après 15 ans de direction artistique, de graphisme, genre de pub, de plein de belles choses. Mais aujourd'hui, c'est aussi pour cette raison que j'ai quitté aussi mon agence, c'est que en fait, j'avais besoin de me retrouver sur d'autres terrains. Je développe beaucoup maintenant l'illustration. L'illustration qui me fait beaucoup de bien, qui me fait trouver d'autres types de mandats aussi. Des mandats qui sont soit pour les enfants, soit pour la communication plus sociale, ou même pour la bande dessinée, que je suis en train de faire une bande dessinée. Je suis en train vraiment de développer ça, parce que je crois en l'image aussi humoristique, légère, et puis je pense que je peux apporter ce côté, moi, personnellement, d'un peu de bonne humeur, de message simple, et puis voilà. En fait, moi, je suis en train de réfléchir un peu à ça. Et puis, j'ai aussi une autre partie, évidemment, je fais toujours une partie, c'est de la com, parce que j'aime quand même ça. Tu vois, je travaille pour des choses comme les votations des étrangers, des domaines comme ça. Je pense que je vais essayer de pousser plus ce côté-là de communication pour justement essayer de jouer un rôle dans la société, à mon petit niveau d'indépendant. Mais je pense que voilà. Et je pense que dans quelques années, si je peux, je serai illustrateur, graphiste, communicant, pour plein de sujets différents, et puis j'espère faire des collaborations avec le plus de gens possible. Avant de passer la parole à Victoria, je voulais juste faire un petit clin d'œil, parce qu'on a deux auditeurs, dont un qui devrait un petit peu te parler, puisqu'il nous regarde en direct de Montréal, voilà, toi qui a travaillé là-bas. Je tenais à faire un petit coucou à notre ami Bruno, qui est dans la place, voilà. On nous regarde jusqu'au Québec, hein, comme quoi, tu vois, tu as travaillé, Julien, là-bas, ben voilà, ça amène du public carrément d'outre-Atlantique. Et puis, je fais un petit coucou tout spécial à Bertrand aussi, podcasteur de son état, voilà. Victoria, le micro est à toi. Non, je disais que aussi ce moment, ce break, tout d'un coup, permet, enfin, j'ai vu chez beaucoup, enfin, là, ça fait, on est déjà au 16e interview, on sent que tout le monde se pose des questions sur, justement, la façon dont il a travaillé jusqu'à maintenant, et beaucoup, on sent qu'ils n'ont plus envie de travailler exactement de la même façon. C'est-à-dire, alors, ceux qui connaissaient pas le télétravail, grâce au télétravail, ils disent, mais il y a un autre, on n'a pas besoin de courir toute la journée, puis être tout le temps au même endroit. Pour ceux qui, comme nous, passons notre vie à courir, on se dit aussi, mais peut-être on a aussi envie de faire, je veux dire, on était déjà très agile, mais dans cette agilité, on arrive aussi à la fin de l'agilité à se dire, mais bon, quel est le sens de tout ça? Et je pense qu'on ressent confusément que tout le monde est à la recherche de quelque chose qui fasse du bien à la société et pas juste être créatif pour être créatif, quoi. Ouais, mais en fait, je pense que c'est général, je pense que... Ouais. J'espère, en tout cas, je pense que l'être humain a besoin de se sentir bien, de se sentir heureux, d'avoir une qualité de vie,
je pense que le fait de se retrouver chez soi, avec ses enfants ou pas, mais seul ou accompagné, bref, mais dans un espace confiné face à soi-même, qu'est-ce que ça crée? Moi, j'ai jamais vu autant de, bon, j'ai jamais vu autant de contenu sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Facebook, c'est devenu vraiment très intense, là, en ce moment. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais, bah, je dis Facebook, par exemple, mais j'ai jamais vu autant de mamans sur le décollage, papa, de mon côté, qui fait des idées, des gens qui se déguisent en peinture, en œuvre d'art, des gens qui font des challenges, des gens qui font des chansons, des gens. Et je me dis, c'est super, en fait. Hyper cool. Parce qu'en fait, les gens, qu'est-ce qu'il leur reste? Seuls chez eux, bah, en fait, la créativité, parce que tu te dis, bon, bah, quand t'as regardé 5 séries de suite, tu te fais avoir, tu te dis, bon, maintenant, j'arrête, puis j'essaie de créer quelque chose, en fait. C'est hyper, j'ai l'impression que c'est hyper primaire et primitif comme état d'esprit, en fait, de se dire, qu'est-ce que j'ai des mains et qu'est-ce que je vais faire avec? Voilà. Mais je pense qu'en fait, aujourd'hui, effectivement, ce break, à mon avis, fait beaucoup de bien. Alors, financièrement, je parle pas financièrement, là, je parle vraiment. Non. Je te rassure. Ça saurait, ça saurait. La merde qui se passe autour de nous, c'est très bien, c'est pas bien, ça, voilà. Mais moi, non, moi, tout seul, avec moi-même, qu'est-ce que je fais? Mais je pense par rapport à nos métiers, parce que pour revenir à ça, à ce sentiment de justement qu'est-ce qu'on peut faire pour maîtriser sa vie, mais aussi maîtriser sa vie dans sa vie professionnelle, peut-être que ça, Olivier l'évoquait aussi, c'est un petit peu, on est un peu responsable d'avoir laissé tous ces conditions de travail se détériorer. C'est-à-dire, il suffit que tout le monde dise non à certaines pratiques. Si un pitch, on veut pas qu'il soit pas, enfin, si on veut qu'il soit payé, bah, simplement, il y a des règles qu'il faut partager entre tous. Et il suffit de dire non. Si tout le monde dit non, enfin, les gens seront respectés. Si on, au lieu de te dire c'était pour hier, tu dis non, c'est pour après-demain. Oui, mais est-ce qu'on aura l'énergie? Est-ce qu'on aura l'envie de le faire? On parlait, par exemple, aussi avec Michael et avec d'autres intervenants, ces fameuses questions autour des pitchs non payés. Tout ça, est-ce qu'on aura l'énergie, l'envie de, ben, d'imposer une autre façon de travailler? Ben moi, je sais pas si on aura l'énergie et l'envie. En tout cas, moi, pour moi, ça fait un petit moment déjà que dans ma tête, c'est clair. En fait, je veux dire, quand on me mandate sur un concours et puis qu'on veut pas me payer, et donc je ne participe pas, parce qu'en fait, j'estime que mon travail a un coût. Les heures que j'ai passées dessus, ça a un coût. Puis tout le temps que je passe à faire ça, ben, c'est du temps que je passe beaucoup ailleurs, où je gagne pas forcément un peu d'argent pour payer mes charges, mes factures, et puis la bouffe de mes gamins, hein, tu vois. Donc en fait, moi, j'ai eu des discussions souvent avec d'autres personnes qui sont d'accord avec ça, mais en fait, en vrai, la réalité de tout ça, c'est que si tu prends une grosse agence qui a du fric de côté, et puis qui peut se permettre de faire des pitchs gratuits, contre un indépendant, en fait, lui, ben, s'il fait pas de concours, ben, en fait, il a pas de mandat, parce que soit il a pas de contact, soit il a pas de réseau, soit il a pas d'expérience, ben, il va participer à ce pitch, et puis, avec un peu de bol, il va le gagner, puis il sera content. Donc, je pense que c'est difficile, en fait, de se dire aujourd'hui, plus personne ne fait ça, même si ce serait top. Ouais. Et c'est hyper difficile, en fait, de convaincre tout le monde de faire ça, parce que t'en as forcément un dans l'eau qui va dire, ah, ben, personne n'y va, ben, moi, j'y vais. Parce que, comme ça, c'est moi qui chope. Ouais, mais c'est une chose qu'il faut maintenant, il faut remettre ça sur le tapis. Moi, chaque fois que j'ai pu donner des cours dans des écoles créatives, je leur dis, je fais toujours la minute éthique en leur disant, je vous transmets cette information, personne ne vous le dira, mais voilà ce qu'on devrait faire, quelles sont les bonnes pratiques du métier. Parce que si personne ne leur apprend, ils savent même pas que ça pourrait être possible de demander de l'argent. Et du côté des marketeurs, c'est la même chose, parce que ces gens viennent du digital, ils n'ont aucune idée de comment ça fonctionne dans la pub. Donc, si tu veux, comme plus personne ne sait quelles sont les règles, eh ben, il n'y a plus de règles. Donc, une réaction que je vous affiche à l'écran d'Anaïs Nani, qu'on remercie, effectivement, si tout le monde s'y met, oui, on aura l'énergie, mais il y a aussi toujours il y aura toujours un concurrent qui le fera gratuit. Peu importe, il faut tenir le cap avec nos propres valeurs. Un message encourageant. Certes, pas facile à appliquer, mais voilà, on est peut-être déjà assez pour penser dans la même direction. Ouais. Mais c'est pas que les créatifs, c'est aussi les responsables marketing qui aujourd'hui sont ceux qui commandent les campagnes, qui doivent aussi savoir qu'on doit respecter tout l'écosystème. Parce que si l'écosystème créatif disparaît, on l'a bien vu, il y a une tendance où tu voyais les créatifs qui rentrent dans les grandes entreprises. On avait la campagne Pepsi où ils avaient fait à renfort de millions une super campagne qui se voulait très humaine,
où ils avaient repris un peu une émeute des Black Matters aux États-Unis. Et puis le public a rejeté ça, et l'erreur était que tout avait été fait à l'interne. Et quand tu fais tout le process créatif à l'interne, qu'est-ce qui se passe? Personne n'ose, si la direction est OK, personne va mettre un warning, tu vois. Alors que si tu travailles avec un extérieur, il y aura peut-être quelqu'un qui va dire, mais attendez, c'est de la folie cette idée. Et là, ils sont arrivés jusqu'à la fin, ils l'ont publié, et au bout de 3 jours, ils ont dû plier et tout arrêter parce que c'était juste n'importe quoi. Ouais, il y avait aussi le message de fond qui était complètement faux. Hein, exact. Exact. Ouais, ouais. Non, mais effectivement, je suis d'accord, mais moi, je vais aussi étendre un peu le truc. Tu sais, je pense aussi que c'est un peu culturel, parce que moi, j'ai quand même des souvenirs du Québec où je parlais avec des musiciens, des artistes, des choses comme ça, où il y a un réel statut. Un réel statut, par exemple, moi, j'ai pas mal de potes musiciens qui sont vraiment dans la caca, hein, parce qu'il n'y a plus de concerts, il n'y a plus d'événements, et puis il y a pas de fric. Donc, en fait, mais l'artiste, pas l'artiste, parce que moi, je me considère pas du tout comme un artiste, mais les créatifs ont souvent eu cette image de « Ah, mais toi, c'est ta passion, tu vois. C'est ta passion, de toute façon, ton petit dessin, ou ta création, machin. » Il y a quand même un truc, je pense, dans l'esprit collectif de « Le créatif, c'est un peu un hurluberlus, tu vois. » Et je pense que peut-être ça vient un peu de ça, cette image de dire « Bon, on va faire un concours, on va tous les inviter. » Déjà, ils pourraient être très contents pour les artistes. Ils vont pouvoir nous démontrer ce qu'ils savent faire. Et puis, au pire, on leur balancera quelques... Est-ce que tu as l'impression que c'est l'apanage de certains pays ou c'est pareil partout, toi qui as travaillé justement outre-Atlantique? Est-ce que tu as vu la même chose ici en Europe versus l'Amérique du Nord? Oui, mais ça existe partout, hein, en vrai. Ça existe partout. Après, moi, je t'avoue que je n'étais pas indépendant au Canada, mais j'étais dans des très grosses boîtes, donc en fait, je n'avais pas accès en fait, à tout le côté financier et tout. Puis je m'en fiche un petit peu, en fait. Ce n'était pas vraiment mon histoire. Mais j'ai plus vu ici en fait, en travaillant chez MC, avec Cavalcade, chez Sachi, même maintenant en indépendant, il y a des choses qui se répètent en fait, il y a des choses qui... Et voilà, mais je répète, après il y a beaucoup de clients par contre qui font l'effort, et il y a beaucoup de clients qui font, il n'y a pas tout le monde qui ne fait pas ses pitchs, et voilà, donc il y a un peu de tout. Mais voilà, moi mon choix maintenant c'est de dire si on ne paye pas pour ce qu'il demande, eh ben, je vais pas le faire, je veux dire, c'est comme cette fameuse blague, ou c'est plus cette vidéo, je sais plus, pas mal de gens ont dit ça souvent, mais tu vas à la boulangerie, tu prends ton pain, si tu l'aimes pas, bah tu le payes pas, tu vois, c'est un peu débile, c'est un peu la même chose, en vrai. Et on a un métier, mais qui est pas vraiment facile à mettre dans une case, parce que on sait pas vraiment ce qu'on fait, comme disait Olivier, on paye une création, on paye un concept, voilà, un concept, c'est hyper abstrait pour des gens. Oui, sauf que toi, t'auras pas pu le trouver. Parce que moi, c'est quand même expérience, tu vois, toi, tu vois, là. Une bonne idée, on en a une, mais une idée qui se décline, c'est très dur. C'est plus compliqué, je pense. Après, n'importe qui peut avoir des idées. Après, est-ce qu'elles fonctionnent? Bah, pas toutes, je pense. Je pense qu'il y a puis c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit que certaines campagnes se démarquent, certaines campagnes gagnent des prix, parce que je pense qu'il y a des idées qui sont plus fortes que d'autres. Ouais. Et je pense que c'est ça qui doit avoir une vraie valeur, en vrai. On a les salutations d'un autre professionnel de la branche, Michael, qui est dans la place, qui salue le duo. On te retourne l'appareil, c'est très gentil. On arrive bientôt au terme de cette superbe émission, puisque effectivement très très intéressante. Une dernière question, Victoria, peut-être. Oui, alors finalement, je vais laisser quand même un message un peu d'espoir, parce qu'on voit que les marques, après justement avoir peut-être pensé que la créativité publicitaire servait à pas grand chose. Après s'être jeté corps et âme dans la data, reviennent aujourd'hui de plus en plus sur du branding, ce qui est dire qu'elles doivent chercher qui elles sont, comprendre les valeurs, comprendre les messages, parce que la publicité, finalement, c'est une photographie de l'instant présent, et il faut comprendre son monde, et si on ne sait pas qui on est et on ne comprend pas dans quel environnement on évolue, eh ben ça ne marchera pas. Donc je pense que l'heure va revenir aux publicitaires, aux créatifs. Moi, j'en suis persuadée, je le sens. Qu'est-ce que t'en crois? Moi, je veux juste dire un truc par rapport à ce que tu viens de dire. Donc, je rebondis. Moi, mon sentiment, c'est que les marques qui vont être opportunistes aujourd'hui par rapport au coronavirus et tout ça, simplement opportunistes, c'est pas une bonne chose. Je pense que les marques qui vont durer après, c'est des marques qui vont changer leur attitude et qui vont communiquer en écoutant les gens. Maintenant, je pense qu'il faut écouter les gens, écouter ce qu'ils ont besoin. C'est-à-dire une meilleure qualité de vie, moins de stress, moins de pression, et puis essayer que les marques maintenant se remettent vraiment en question par rapport à ça. Moi, je pense qu'il y a vraiment un truc, au lieu de toujours de se dire ma marque achète, c'est plus, ok, si toi,
toi, tu sens que ma marque, elle est souhaite pour toi, bah, viens. Voilà. Moi, je pense qu'il y a cette petite différence que les marques devraient adopter. Et puis, non, moi, j'ai grand espoir que la créativité, de toute façon, ne va jamais mourir. Elle va s'adapter, elle va évoluer. Et puis, je pense que ça va très bien aller, en vrai. Comme disent nos amis québécois qui nous écoutent, ça va bien aller. Bonne année. Et puis c'est un super message que tu nous donnes pour ces 4 jours, Pascal, où j'espère que les gens vont quand même arrêter de bosser devant leur écran parce que on n'arrête pas. C'est très intense. Ce semi-confinement, il est vraiment, c'est plus que du plein temps cette affaire. Il faut qu'on arrive à la fin de l'émission pour qu'on trouve à la fois le mot de la fin, à la fois des questions super intéressantes. Effectivement, Michael de Surenchérir appelle à tous les créatifs et stratèges, ne bradez jamais vos idées. C'est là notre valeur. Merci pour le message. Et Alain qui repose la question posée déjà il y a quelques jours. Et l'humour, peut-on encore? Voilà. On essayera d'y répondre dans le prochain live qui ne sera pas demain, qui ne sera pas lundi prochain, mais mardi. Voilà. Donc, il y aura un panneau qui vous induira en erreur tout à l'heure pour vous dire prochain live lundi 15h. Non, ça sera mardi. Et puis, le mot de la fin pour un petit peu aller dans le sens de notre invité. Voilà, on va souhaiter aux marques de ne pas être opportunistes, mais ça y est, c'est officiel. Je vous l'annonce à tous les deux. Il y a déjà un annonceur qui a lancé une campagne télé adaptée à la crise. C'est un spot de pub qui roule actuellement sur nos écrans et pour pas lui faire de la pub, on va pas citer l'annonceur. Mais comme quoi, voilà, c'est la réalité du terrain. C'est parti, c'est lancé. Et si vous avez l'occasion, allez voir sur la page Facebook du Valais. Il y a plein de Valaisans qui donnent des messages pour ne pas aller en Valais ce week-end parce qu'il va faire beau, il faut rester chez vous. La même chose pour les Tessinois qui craignent énormément que les gens aillent au Tessin. Ils y ont très peur. Oui, restez confinés, voilà, et puis prenez soin de vous. Et effectivement, Michael, il va falloir que tu attendes 4 jours, comme il vient de le dire. Voilà, allez hop, je like son message. Merci beaucoup à notre invité Julien Depreux pour ce partage, pour cet échange. On vous souhaite bien de regarder tout ça en replay si vous avez loupé une partie du live, de le partager. Comme ça vous occupera pendant ces 3-4 jours de pause. Tu vas partir où déjà, Victoria, en vacances là pendant Pâques? moi c'est la terrasse pour continuer mon bronzage ou mon coup de soleil pour être plus précis. Voilà, ben on vous souhaite de bien vous porter, de faire que tout se passe bien pour les 3-4 jours durant lesquels vous êtes censé, eh bien effectivement, rester confiné. Et puis on se donne rendez-vous mardi prochain. Alors à mardi, au revoir. Salut Julien. Merci. Ciao. Allez, ciao. Portez-vous bien.